traversé la Concorde à Paris pour essayer de trouver des volontaires pour tester l'hypnose. Place de la Concorde, Paris, c'est parti. Probablement. Je vous propose de vous décontracter complètement. Vous allez mettre les pieds l'un contre l'autre comme ceci. Et vous allez faire ce qu'on appelle les tests. Vous allez mettre vos bras bien en avant comme ceci, bien en avant. Et vous allez laisser faire votre imaginaire, complètement laisser faire votre imaginaire. À partir de maintenant, vous allez fixer un point imaginaire ici. Et ici. Vous allez fixer ce point. Et vous allez mettre une paume vers le haut et une paume vers le bas. Vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration. Vous allez vous laisser aller complètement. Je vous dirai de fermer les yeux, ne vous inquiétez pas, je vous guide tout le long du parcours. Vous allez imaginer un point imaginaire ici. Et ici. En plus, comme ceci. Et sur l'autre, je rajoute un énorme ballon dirigeable d'hélium. Et vous allez sentir votre main qui va complètement monter vers le haut, complètement léger, léger comme une pluie, complètement léger, deux fois plus maintenant. Votre bras s'envole de plus en plus, de mieux en mieux, vers le plafond, vers le ciel, de plus en plus allégé. Concentrez sur un point complètement imaginaire entre vos deux index. Ici. Et ici. Vous imaginez que ce point change de forme, de couleur. Fixez ce point. Fermez les yeux, laissez-vous complètement aller au son de ma voix. Vous êtes merveilleusement bien, complètement détendu. Trois, lorsque je vous vais réveiller, lorsque vous allez vouloir décoller vos doigts, ils seront complètement collés par cette force invisible. Plus vous allez vouloir les décoller, et plus ils se colleront, ils se souderont, ils se scelleront. Impossible de les décoller. Plus vous essayerez, plus ils se colleront, ils se souderont, ils se scelleront. Un, deux, trois, réveillez-vous. Ok. Tu touches le front de ton ami, et il se décolle. Ah, on a bien senti que t'as bien senti que c'était collé, hein. Ça va? Oui. Vous allez mettre les pieds comme ceci. À un moment donné, c'est le seul contact que j'aurai avec vous. Je vais vous prendre votre main, celle-ci. Je la ferai tourner. En hypnose, ça s'appelle une séquence. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, je vous prendrai le droit. C'est le seul contact. Vous allez maintenant mettre vos mains, votre main bien au-dessus de votre tête. Ok. Alors, à un moment donné, relaxer deux fois plus de chou. Complètement détendu, merveilleusement bien, tu resteras comme ceci, quoi qu'il arrive. Tu vas sentir à un moment donné que ma voix qui résonne dans ton esprit, peut-être sans ton corps d'ondine, tu vas partir qu'un peu en état de sommeil profond. C'est peut-être si c'est ma main qui est sur ton poignet ou le sol sur tes pieds, à un moment donné, je dors complètement profondément. À 5, vous plongez à l'intérieur de vous-même. À 4, merveilleusement bien. À 3, vous dormez, les yeux fermés. Resterez debout, quoi qu'il arrive. Lorsque je vais vous réveiller, au compte de 3, simplement, votre langue va se coller par une force hypnotique très puissante, invisible, comme une colle. Elle va se coller à votre palais. Vous ne pourrez plus parler. Et vos pieds seront collés au sol, pris comme dans du ciment, en train de sécher, du sable, complètement verrouillé, complètement tenu par le sol. Impossible pour vous de parler. Plus vous essayez de parler, plus ça se bloquera. Et impossible de bouger. Vos pieds se colleront deux fois plus au sol. 1, 2, 3, réveillez-vous. Ok. Ça va? Ok. Vous êtes bien là, hein? Vous n'êtes pas trop froid, donc je vois que vous avez peut-être un petit peu de difficulté à... Ouais, c'est un petit peu de difficulté à parler, hein. Ok, au claquement de ma langue, simplement, vous allez pouvoir reparler, ça sera normal. Vous pouvez parler. Par contre, vos pieds seront deux fois plus bloqués. D'ailleurs, regardez. Ils sont tellement bloqués par la force invisible que... Je vous mets un billet de 50 euros s'il veut rester là. Je ne suis pas sûr qu'il reste. Et vous allez essayer de l'attraper, mais vous êtes complètement bloqué au sol. Impossible pour vous de l'attraper. Impossible pour vous de l'attraper. Tiens, je te le donne, mais t'es complètement bloqué. Complètement bloqué. Impossible. Impossible. Eh ouais, c'est tentant, hein. Si tu l'attrapes, il est à toi, mais tu peux pas. D'ailleurs, regarde, même mieux que ça. Si je te mets à tes pieds, il va peser une tonne. Il va peser très lourd. Comme un rocher, un énorme rocher, comme l'obélisque. Tu vas vouloir le soulever, mais impossible de le soulever. Il va être complètement lourd. Puis tu vas vouloir le soulever, et puis il va devenir lourd. Lourd comme une pierre. Lourd comme une voiture, un camion. Impossible de le soulever. Il est complètement saoulé. Soulé au sol, complètement soulé. Complètement soulé. Impossible de l'attraper, complètement soulé au sol. Il est lourd comme un rocher de 500 kg. Une tonne, trois tonnes, impossible de l'attraper, complètement. Et lorsque tu vas entendre mon claquement de doigts, tu vas pouvoir l'attraper. C'est bon. Ça y est, ça se débloque. Ça se débloque. Alors c'est un phobie, hein. Vous dites très bien. Ça va, ça vous plaît toujours? Ouais. Bon, ok, c'est ça l'hypnose. Si vos perceptions sont modifiées, je vous expliquerai à la fin comment. D'ailleurs, regarde, tu vas mettre tes mains comme ceci, que toi. Et toi, tu vas mettre tes mains comme ceci. Ok. À partir de maintenant, au claquement de ma langue, simplement, vos mains vont se coller, vont se souder, vont se sceller, elles vont se verrouiller. Elles sont complètement collées, soudées, verrouillées. Vous allez essayer de vous détacher, mais plus vous vous détacherez, plus elles se colleront, elles se souderont. Impossible de vous détacher. Plus vous essayerez, plus ça se soudera. Allez, essayez de vous détacher, tirez, hein, tirez, vous n'y arriverez pas, hein. Tirez fort, hein. Ah ouais, c'est bête, hein. Allez, je vous laisse comme ça, je vous souhaite une bonne journée, hein. Au claquement de ma langue, instantanément, ça va se débloquer.
c'est ça l'hypnose. Vous voyez, il n'y a rien de... Ça va? Oui, oui. T'es pas traumatisé, hein? Non. Regarde. Ce que tu vas faire simplement, je vais te montrer le pouvoir de l'hypnose. Je vais vous faire une réinduction. Regarde. Alors, à un moment donné, tu vas voir ton bras. Bras droit ou bras gauche, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas sentir tes paupières devenir vraiment très lourdes. Ton corps qui va complètement se relâcher. Quand je vais te tirer sur un de tes bras, tu vas bras droit ou bras gauche, tu vas complètement partir en état de sommeil profond. Complètement détendu, merveilleusement bien, tu restes debout quoi qu'il arrive. Complètement détendu, quoi qu'il arrive, c'est une justesse. Et toi, simplement, comme tu as des lunettes, je ne vais pas te faire la même chose, tu fais le butterfly, conscient, inconscient, tes paupières vont devenir de plus en plus lourdes, l'état de fatigue qui t'envahit, tu es merveilleusement bien, complètement détendu, à un moment donné, tu sais, complètement détendu, merveilleusement bien dans cet état de relaxation, vous êtes merveilleusement bien. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir votre prénom qui va disparaître de votre esprit. Complètement disparaître de votre esprit. Chaque lettre s'efface au bout de la mer. Vous ne savez plus comment vous vous appelez. D'ailleurs, vous effacez les lettres de votre prénom avec un chiffon. Vous ne savez plus comment vous vous appelez. Impossible de vous rappeler comment vous vous appelez. Vous appellerez toutes les deux Yoda. Quand je vous demanderai comment vous vous appelez, vous me répondrez instinctivement Yoda et ça sera normal. Réveillez-vous. Ok, comment je m'appelle moi? On la voit plus avec ses cheveux. Bon, moi Franck, le teaser, mais je ne suis pas très connu. Comment tu t'appelles toi? Yoda. Parce que ta transe est plus légère que la sienne. Donc tu m'as dit, je n'ai pas entendu. Yoda. Yoda. Donc tu peux lui poser la question. Yoda. Et c'est normal. Ah oui, c'est normal. Simplement, regarde, simplement quand elle va toucher avec ton index ton front, instantanément, tu vas retrouver ton prénom. Ça va? Bon, ça va, c'est mieux. Hein. Tu vois, je te laisse partir comme ça. Elle rentre chez elle. Tes parents t'appellent. Yoda. Ok, ça vous plaît? Oui. Bon voilà, c'est pas traumatisant. Ton conscient remonte un peu parce que c'est normal, il y a un instinct de ce que je te disais, t'entends tout ce qui se passe. Regardez bien simplement le pouvoir de l'hypnose. Vous allez regarder mon doigt. Instantanément, quand mon doigt va toucher votre front, c'est pas du magnétisme, vous allez complètement fermer les yeux et partir en état de sommeil profond. Dormez complètement détendu. Vous êtes merveilleusement bien, complètement détendu dans un monde de rêve. Simplement quand tu vas te réveiller. Lorsque tu entendras le mot pause, ça sera plus fort que toi, tes yeux se fermeront, tu dormiras, tu seras hors du temps, complètement hors du temps, dans un état de sommeil profond. Et lorsque tu entendras le mot lecture, ça sera plus fort que toi, tu reviendras au conscient. Pause, tu dormiras, tu fermeras les yeux, hors du temps, dans ton monde imaginaire. Lecture, tu reviendras au conscient. Attention, lecture. Je vois plus rien avec les... Ok, super. Concentrez-vous bien sur les mots, le mot qui va vous faire partir. Pause, complètement hors du temps, vous êtes merveilleusement bien, complètement hors du temps, merveilleusement bien dans un état de sommeil profond, vous êtes merveilleusement bien, complètement relaxé, merveilleusement bien. Lorsque vous allez vous réveiller, je vais vous montrer des cartes, il y aura un as de pique et un joker. L'as de pique et le joker. Lorsque vous verrez le joker instantanément passer de votre visage, devant votre visage, vous dormirez. Le joker sera si puissant que vos yeux, vous tomberez dans un état de sommeil profond, ça sera plus fort que vous. Réveillez-vous. Ok, donc là j'ai... ça va? Oui, oui. Tu clignotes des yeux parce que tu es un peu fatigué en fait. Non, c'est... Donc ça c'est un... Un as de pique. Un as de pique. Et attention, complètement endormi. Complètement endormi, merveilleusement bien, dans cet état de relaxation de sommeil profond. Complètement endormi, rapid eye movement, complètement détendu. Vous êtes merveilleusement bien, complètement détendu. Lorsque vous allez vous réveiller, simplement, au mot lecture, tout va redevenir au conscient. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner chacune une carte. Choisissez votre carte. Elle retrouve un pouvoir de carte normal. Choisissez une de vos cartes. Laquelle qui veut le joker, laquelle qui veut le pique. Ok. Vous allez vous montrer à un moment donné les cartes l'une à l'autre, sauf qu'il y en a une qui va faire dormir l'autre. Le joker a le pouvoir de vous faire dormir. Montre l'as de pique, il te revient au conscient. Et toi, montre complètement détendu, merveilleusement prêt. Complètement détendu, deux fois plus maintenant. Ok, à partir de maintenant, simplement, lorsque tu vas te réveiller, complètement détendu, réveille-toi. Ok, ça va? Bon, vous vivez bien l'expérience, ça va, hein? Bon, apparemment, tu as chopé les deux cartes, parce qu'en fait, elles volent un peu, hein, c'est ton ami. Tu vois bien quand t'as pas tes lunettes? Non, oui, c'est ça, je suis mieux pour être donc ça va. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Vous allez simplement, il y en a une qui va mettre, tu vas approcher l'index de ton ami, alors pas trop lentement, comme ceci, tu vois. Et toi, pareil, vous allez vous approcher en même temps votre index.
Simplement, quand vous allez être en contact de votre front l'une et l'autre, au contact de votre index, ça sera plus fort que vous. Vous allez partir en état de sommeil profond. Donc l'idée, c'est ça. Ok ? Allez-y. Complètement détendu, vous êtes merveilleusement bien, complètement détendu dans un monde de rêve. Vous êtes merveilleusement bien, relaxé, complètement détendu dans un monde de rêve. À partir de maintenant, lorsque vous allez vous réveiller, simplement, lecture. Ok, ça va ? Vous êtes tout hypnotisé. Voilà. Ah bah tiens, vous avez des trucs dans les mains, super. On est un peu hors champ de caméra. Alors tiens, on va faire un truc. Tu vas marquer quelque chose sur une feuille, ce que tu veux. Hein? Voilà. Non, si, tu peux, au contraire même. Je suis un piètre magicien. Avec l'hypnose, ça va? Mais sans hypnose, je suis pourri. Il y a marqué quoi? Lapin. Lapin, c'est-il pas mignon ça? Donc ça, c'est ton mot à toi. Et toi, tu vas marquer ce que tu veux. C'est, au contraire, il vaut mieux que vous voyez. Tiens, je te laisse. Laisse, c'est pas grave. Il ne valera pas plus loin de toute façon. C'est là qu'elle écrit les numéros du loto, tu sais. Bougie, c'était bien bougie. Ok, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes retrouvé avec des trucs dans les mains en fait. C'est senti que vous. T'as senti, mais en même temps c'était. J'ai trouvé ça naturel. C'est un peu flou quoi. Vous n'avez pas de poche. Ok, allez-y, l'index l'une avec l'autre. Simplement quand vous entendrez mon chou, allez-y. Complètement détendu, vous plongez complètement à l'intérieur de vous-même, vous êtes dans un état merveilleusement bien, complètement détendu, relaxé, dans un monde de rêve, complètement détendu, relaxé, dans un monde de rêve, vous êtes merveilleusement bien, complètement relaxé. À partir de maintenant, lecture, vous ne regardez pas votre papier, vous me dites simplement sur ton papier sans regarder ce que tu avais écrit toi. Bougie. C'était ton papier et toi ? Lapin. Lapin, bougie. Ok, on va vérifier. Petite inversion, ça va? Bon voilà, c'est à un moment donné quand tu pars en transe, hors du temps, tu déconnectes un petit peu, puis forcément ben, il se passe des choses, tu vois, où j'inverse les papiers, des choses comme ça. C'est pas très compliqué. Hein. Regarde, si je te touche la main, ça, je pose complètement l'étendue. Deux fois plus. Complètement l'étendue, relâché, dans un monde de rêve. Merveilleusement bien, dans un état de relaxation, complètement l'étendue, relâché, dans un monde de rêve. Merveilleusement bien. Lorsque vous allez vous réveiller, je vais avoir disparu de votre esprit, je serai complètement invisible. Vous ne comprendrez pas, puisqu'on est en pleine séance d'hypnose, je vais avoir disparu, vous ne me percevrez plus. Impossible de me voir, j'aurai complètement disparu. Lecture. Par contre, vous m'entendez? Je suis revenu au conscient, ça va? Oui. Quelle était la. Tu m'as dit une vedette que tu aimais bien, toi? J'ai bien senti la vedette, là, tout à l'heure. J'avais dit Tom Holland. C'est, Tom Holland? Ouais, c'est la personne qui joue dans Spider-Man. Ah, parce que je connais personne. On me sort des noms, Damso, je connais maintenant, je connais. Mais des noms, Joule, tout ça. Ok. Tu vas te concentrer. Tom Holland? Ouais. Ok. Tu vas simplement te détendre deux fois plus. Respire profondément, complètement détendu. Tu vas vraiment être bien. À un moment donné, tu vas sentir que tes yeux sont tellement lourds, c'est un état de relaxation est à un point et tu dors complètement. T'as vu ? Tu dors complètement. Lorsque tu vas te réveiller, tu ne verras plus l'hypnotiseur, tu verras ta vedette préférée sur les Champs-Élysées qui vient de descendre à pied. Tu verras Tom Holland. Je serai Tom Holland. Et tu prendras ton sac pour faire un selfie avec ton sac. Ça sera normal, ton sac servira d'appareil photo. Ou même mieux que ça. Ton ami te donnera son appareil photo. Un appareil photo dernier cri, ultra plat, tout jaune. Il prend des super selfies et tu feras une photo avec ta vedette, Tom Holland. J'arriverai par derrière, tu me verras Tom Holland. Avec toi. Ça va? Allez, une petite photo là. Ouais, ça m'a, c'est un super appareil ça. Ouais, il est bien, j'ai le dernier. Ouais, super. Ouais. Je te l'enverrai? Tu l'enverras, c'est ton appareil photo, tu l'enverras. Hein. Ok, ça va? T'es contente? Tu voudras, je te ferai un autographe aussi? Vous êtes plus grand que ce que je pensais. Ben oui, la télé, voilà, elle voit vraiment sa vedette. Hein. Donc, je suis beau? Tu peux le dire, hein, tu sais, j'ai l'habitude. Hein. Seulement, le problème, c'est qu'à un moment donné, regarde, quand je vais te prendre la main, je vais toucher la paume de ta main et instantanément, tu vas
dormir, complètement dormir. C'est marrant, hein? Deux fois plus. Complètement détendu, deux fois plus. Quand tu vas te réveiller, je t'ai préparé une surprise. Tu reverras l'hypnotiseur et tu regarderas vers le haut, vers le ciel. Et tu vas voir tomber des chocolats, tu vas voir tomber des Kinder Bueno, tu vas voir tomber du tout ce qui te fait plaisir, de la guimauve, et tu vas les attraper. Sauf que le problème que tu as, c'est que ta bouche, elle va être complètement sur ton front. Ici, ta bouche est sur ton front. Et maintenant, chope les chocolats, vas-y, attrape-les, hein, mange-les. Mais ta bouche est sur ton front, hein, donc fais-toi plaisir. Complètement détendu, ouais, régale-toi, régale-toi. Chope, attrape-les, attrape-les. Hein. Puis regarde, tu vas, je vais t'appuyer ici, tu vas rigoler. Ça va être plus fort que toi, tu vas te mettre à rigoler. T'es complètement envie de rigoler, c'est complètement dingue. Hein. Ah ouais, mange, rigole aussi à peler. Hein. Oh super, ouais, elle est heureuse, ton amie. On voit que c'est une fille très heureuse, hein. Complètement heureuse. Hein. Et simplement, quand je vais toucher ton front, tu vas dormir. Dors complètement détendu, dans un monde de rêve. Lorsque tu vas te réveiller, je vais te donner un ticket gagnant du loto. Tu vas être multimillionnaire. Multimillionnaire, tu le gratteras et tu verras apparaître 104 millions d'euros. Tu seras très riche. Réveille-toi. Tiens, gratte. Je pense que ça vaut le coup là. Ah ouais, tiens, gratte devant la caméra parce que c'était pour la postérité là. Ouais, c'est un ticket gagnant ça, hein. C'est clair. Hein. Putain, combien 104 millions. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Ouais, tu vas me faire plaisir, tu vas courir, tu es contente. Tu vas courir, puis tu vas être contente, tu vas annoncer à tout le monde que tu es milliardaire. Vas-y, elle est partie. Elle est partie. Elle est de bonne nature à ton ami. Et puis toi, le problème, c'est que instantanément, tu dors complètement détendu, relaxé dans un monde de rêve. Complètement détendu, relaxé dans un monde de rêve. Merveilleusement bien. Ça va, ça te fait plaisir. Tu vois, tu peux me parler, pourtant tu dors. Tu es bien dans cet état là, ouais. Complètement détendu. Tu peux même avancer, regarde. Comme ça, tu prends l'appareil photo. Ok, super. Réveille-toi. Tu vois, ces perceptions sont modifiées. Ton amie, elle est partie. Elle est partie où d'ailleurs? Elle l'annonce. Et tu vas. Regarde. Simplement. Dors complètement. Dors complètement. Tu au réveil, tu vas aller voir ton amie et tu vas lui dire de revenir parmi nous. Vas-y, vite. Va la chercher. Millionnaire. Ça va la millionnaire? Ils sont pas français. Ah oui, mais j'essayais de parler, mais ils n'avaient pas trop compris ce que je disais. Bah oui, c'est parce que c'est mon problème, c'est qu'il y a que des étrangers, donc c'est à un moment donné. Simplement, tu sais pas pourquoi, tu es complètement détendu. Tu vois, c'est le coup de complètement détendu. Mais remarque, toi, tes parents, c'est à un moment donné, si tu veux à un moment donné, ça peut être millionnaire, c'est complètement détendu, relaxé dans un monde de rêve, vous êtes merveilleusement bien. Vous avez été adorable, je vais vous ramener au conscient. Réveillez-vous, ok. Je te laisserai si tu veux comme souvenir ton ticket gagnant appareil photo magique. Vous avez été adorable, ce que je vais faire, je ne vais pas abuser. Je vais vous ramener au, ce qu'on appelle au réveil. Le réveil, c'est pour que vous sortiez de l'état de transe, de manière à ce que quand vous partez, vous allez fermer les yeux. Quand je vais passer ma main devant vous, fermez les yeux. Concentrez-vous sur le fond de la boîte. Fermez les yeux. À partir de maintenant, vous allez imaginer un escalier imaginaire. C'est l'escalier de votre conscient. À 1, vous allez remonter les marches. À 2, vous allez retrouver tout votre tonus, votre punch. Vos connaissances. À 3, vous vous rappellerez de tout dans les moindres détails. À 4, vous chantez tous vos muscles en pleine forme. Et à 5, vous ouvrez les yeux en pleine forme. Vous êtes là, vous êtes là. Bravo. Merci d'avoir vécu cette expérience. Ça vous a plu. Alors, en France, il y a des choses qui passent plus ou moins. Encore une fois, c'est quand même froid. Voilà. Mais vous l'avez bien vécu. Parce que vous vivez bien, vous avez fait la résistance.